Rencontre entre poésie et rock avec un groupe de 5 musiciens baptisés Feu Chatterton, en hommage, attention, au personnage d'Alfred de Vigny. Ils ont fait des études, ont un penchant réel pour la littérature, mais ils ont tout arrêté pour composer un album. Ici, le jour a tout enseveli, c'est son titre, et partir en tournée. Sébastien Thème. Nous sommes Feu Chatterton, incandescent cadavre pour le cerveau. Qu'on est déçu de ne pas avoir vu Feu Chatterton remporter le prix de la révélation scène aux dernières victoires de la musique. Parce que ces 5 garçons dans le vent en sont des bêtes de scène. Et c'était le cas pour leur 4e passage au Trianon à Paris. Ouais, grosse claque, ouais. Ouais. C'est ce qu'on se dit depuis une demi-heure. Ouais. On met en avant, on avance. J'entends Arthur, mais on sent qu'il y a un cocon, un écrin fait pour lui. Ce quintet parisien est nourri de littérature romantique, enfant de Gainsbourg, Noir Désir, Bachung et même Booba. Ils partent maintenant défendre dans toute la France leur album à lire et leur poésie à danser. Déjà, on est 5 et on n'écoute pas forcément les mêmes choses. On ne s'est pas retrouvés par un amour commun des mêmes choses. Et tant mieux, parce que chacun apporte vraiment des choses très différentes et on se rend mutuellement curieux et ouvert. Le hip-hop, on l'avait en commun tous les deux, mais ce n'était pas forcément le cas des autres. C'est la musique sur laquelle on se retrouve tous les 5 qui devient un peu emblématique pour nous. Super écrit, c'est super épileptique, c'est très nerveux. Je sens qu'il vit vraiment ce qu'il raconte. Je pense que c'est ça qui change la donne. Le retour de la vraie chanson française, quoi. Qu'ils disent que je suis fou, lié, marteau, comme ici, les requins. C'est un poète rock'n'roll.